What's up guys, je suis Avel2003, ce soir on se retrouve pour nouveau let's play sur Scott Pilgrim vs The World. Adaptation du... Comme... C'est comme dans le film. Il s'agit d'un beat'em all. Déjà mort, sachant que mon personnage actuel, le personnage Steels est encore niveau 1, alors ne vous posez pas de questions. Eux autres, je les hais. Ils ramassent les armes et vous les balancent à la tronche. This guy. Sort de petite pelle lui.
Allez, on continue. Attention. Non, il meurt jamais lui. Toi. Ramasse le truc. On y va. Attendez, il y a l'argent à ramasser. T'as les trouvés. Sur Serena pour lui faire bébé, c'est bébé. Oui. Tout à fait, attends. Ok, bon. Bloc, n'importe quoi. Ah. Prends ça.
T'es mort. Je vais juste massacrer ces types. Là, je pense que j'ai encore perdu une vie. Ouais. Peut-être oui. Allez, bonus. No, this will be it. On dirait que ça fait le même goût que les pièces de Super Mario Bros. Vous trouvez pas?
J'ai besoin de force. Là, je vais pouvoir cogner plus fort. Alright. Oh my god. T'es mort. No, this will be it for now. Il ment. Voilà. Elle va pour lui faire. Vous voyez là, un easter egg très important, ce logo Ubisoft dessine. Le logo Ubisoft dessiné sur ce mur dans le premier niveau. Mort.
Good one. Vous avez vu tantôt l'easter egg, je vous le rappelle, ce logo Ubisoft dessiné sur un mur dans le premier niveau. Ce logo Ubisoft. Ce logo Ubisoft. Crash and the Boys, où on s'en va affronter Matthew Patel. Que notre combat commence. Les tabarouettes, ils sont là quand même. Il reste une vie. Oui. Quelle chance. Imaginez-vous. Oh non. Allez, il est presque mort. Oh non. Get away. Je vais aller... K.O. Oh yeah. All right. J'ai envie de refaire quelques pièces.
un peu plus de force. Il y a un petit peu ici. Je suis parfait. Du coup, voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à plus.